toutes les entreprises. Ce que vous dites, vous parlez d'entreprise, vous parlez de société d'État. Mais il n'y a pas un négro-africain qui dirige une entreprise privée, consistante, sérieuse. Ça n'existe pas. Parce que nous n'avons pas eu droit à certains avantages qui étaient accordés au niveau des banques, qui sont contrôlés également par des arabo-berbères, totalement. Donc, au plan économique, nous sommes exclus. Au plan militaire et au niveau des forces, des armées de sécurité, ça, au départ, il y avait quand même ce qu'on appelle une espèce de compromis. Maintenant, nous sommes complètement liquidés. Donc, si vous voyez le corps de commandement des forces armées, la gendarmerie, la garde, comment dirais-je, l'état-major militaire proprement dit, et les forces de police, le corps de commandement de ces forces-là est absolument arabo-berbère, bidar, blanc. Donc, nous sommes exclus également à ce niveau-là. Donc, exclus au niveau culturel, exclus au niveau économique, exclus au niveau militaire, exclus au niveau politique.